Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 sur Kena Bridge of Spirit. Excusez-moi de prendre autant de temps entre chaque épisode, mais entre la boutique qui a ouvert, entre mes lives tous les soirs à partir de 19h sur ma chaîne Twitch Mister B-Boy 45, et entre mes aventures horrifiques et tout ce que je prévois en sub-goal avec les retours des libres antennes et tout en live, bah je vous cache pas que ça fait du boulot tout ça, et c'est difficile de joindre les deux bouts, mais l'important c'est qu'on soit là et qu'on continue notre incroyable aventure sur ce jeu toujours aussi beau et fantastique à regarder. Allez, on est parti. Souvenez-vous, on s'était battu avec quelques difficultés dans ce champ, ce qui nous avait ouvert le champ des possibles avec ceci, la larme évidemment des esprits, et grâce à cela on va pouvoir ouvrir tranquillement 2-3 passages afin de nous offrir quelques possibilités qui sont évidemment les bienvenues. Et non, c'est pas ça? C'est pas ça. J'ai fait une petite bêtise. Alors là, on a un chat de pierre. Vous savez quoi? Avant de faire n'importe quoi, on va visiter. Voilà, ça me paraît un petit peu plus juste. Ah, d'accord. Donc c'est là. Les chats de pierre sont ici. Donc on va aller récupérer le premier chat. J'avais vu un deuxième chat aussi. Bougez pas. Voilà, déplacer objet. Je sais pas pourquoi elle a tiré une flèche, c'était très bizarre. Elle a peut-être tiré une flèche parce que je lui ai demandé de tirer une flèche aussi, je ne sais pas. Allez, tu mets le chat ici. Dépêchez-vous les potes. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus lent. Qu'est-ce qui se passe encore? On n'est pas dans un monde capitaliste là, ça va pas. Hein, voilà, tu me poses ça ici. Quoi d'autre? What else? Comme disaient certains grands hommes. Il y avait un autre chat pas loin. Je crois qu'il était là-haut de ce côté. Oh, attendez. On va faire d'une pierre deux couilles, comme disaient mes grands-parents, évidemment. Et on va aller libérer l'arrière, à savoir là-haut. Je pense que ça va nous révéler soit un chat, soit un petit pactole. Et on aime le pognon ici, ok? Très bien, ça. Très, très bien. Allez, bon, c'est un beau pactole. C'est un très beau pactole. Ça, c'est fait. Où était... Il me semble que le chat était par ici. Un truc comme ça, attendez. De mémoire, j'avais même essayé de l'amener... Oh, on avait déjà fait ça, je me souviens très, très bien. C'est fou, mais le jeu marque. Parce que j'arrive à me souvenir, ça fait quand même presque une semaine que j'ai pas enregistré l'épisode, mais j'arrive à me souvenir à peu près tout ce qu'on a fait la dernière fois. Il y avait un chat par ici et c'était pas lui. Où il est? Où il est celui-ci? Il était pas dans... Non. Là j'ai un petit trou de mémoire. Je sais que j'en avais des... Ah putain, mais il était là. Eh, je suis... Eh voilà, bon, c'est mon côté un petit peu boubours hein, qu'on apprécie évidemment. Alors attendez, je crois qu'il faut faire tout le tour avec ce bordel. Ah ouais, ça va être terrible. Ça veut dire que le dernier... Statistiquement, le dernier a plus de chances d'être là-haut. Voilà, de ce côté là-bas de la carte. Je pense, I think. Comme disaient les plus grands. Allez, venez les potes. Venez, venez, ça risque de régaler. Et comme ça, on va placer... Je pense qu'il doit être là-bas, non? Regardez. Oh oui, j'ai peut-être ma petite idée. J'ai peut-être ma petite idée. Et je pense que c'est... Allez, posez-moi ça là. Ça doit être là-haut. Là-haut, là-haut, ou là-haut. En fait, ça peut être partout. Allez! Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, voilà. Je vous l'avais dit. J'étais level designer dans une autre vie. Allez, venez, les potes. Venez, venez, venez. Et là, l'eau, elle est fortement dégueulasse. Intéressant. Allez, posez-moi ça là. Ok, ça c'est fait. On commence plutôt bien avec une petite maison. Ouais, ça nous a pris... Petite mission, pardon, ça nous a pris quelques minutes, mais au moins, j'ai envie de vous dire c'est fait, ça fait beaucoup d'argent. Alors, ici on a un mur et donc un courrier à transmettre. Très bien. Un mur, mais là, ma larme ne fera pas suffisamment bien les choses. Pareil ici. On va essayer de tout visiter. Ok, tout évident, c'est une belle enceinte. Hein. C'est une belle enceinte de maison. Hein.
peux pas. J'ai essayé un petit... Ouais, j'ai essayé un petit hack, tu vois. Ok, on a quelque chose ici. C'est sympa, ça, les gars. Prenez. Prenez, prenez, prenez. Ça fait beaucoup d'argent pour acheter quelques masques très, très, très sympas. Ça, tu ouvres ça. Je ne sais pas ce que ça va faire. C'est fini? Ça a l'air d'être fini. Ok, c'était pour actionner des petits bonus. Rien de foufou. J'espère que vous prenez soin de vous. Moi, comme vous pouvez voir, bah, je commence à perdre ma voix. Eh, avec tout ce boulot, on s'arrête jamais de parler. C'est l'hiver, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Oh, un petit rat qui s'est caché dans une lanterne. Donc, il est temps de ressortir le lait et le miel. Niveau 3, sous Goy, les rôles peuvent désormais effectuer plus d'actions. Oh, c'est gigantesque ici, dites voir. Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier, là? Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier, là? Tiens, tiens, tiens. C'est gigantesque. Oh, il y a trop, c'est trop, c'est trop. Attendez. On a des bails ici, les gars. Je suppose que je peux pas aller dans l'eau pour l'instant. Là, on peut pas y aller. C'est toujours close. Ok. J'essaye de voir un petit peu le champ des possibles, évidemment. Là, on a un beau coffre avec un défi. On peut peut-être le tenter à la limite, histoire de se remettre dans le bain. Avant la fin du tour imparti. Ok. Ok. Ok, je me fais casser la gueule, hein. Et là, bam! Ok. Je suis presque mort. Allez, let's go! J'y croyais pas. J'y croyais pas. Deux fucking secondes, mais c'est fait. Oh, j'y croyais vraiment pas, les gars. Moi, je me suis dit, ok, on est ridicule dès le début d'épisode. Cet épisode 8 était terrible. Mais évidemment, toujours croire en soi, les amis. Comme quoi, c'est possible, c'est mon Indo. J'y ai cru sans vraiment y croire et regardez où ça mène. Oh là là, il y a encore une maison ici. Tellement de courriers à trouver en vrai. Incroyable. Ça, sur un malentendu, ça pouvait faire quelque chose, je ne sais pas. Ok, ça, il faudra trouver un masque gigantesque. Oh là là! Ah, au début, je me suis dit, attends, ça va, c'est tranquille. Non, non, non. Que nenni. Que nenni. Ok. Qu'est-ce qu'on a là, se téléporter? C'est de l'argent, ça, on prend. Terrible ça. Ça, ça a été fait. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ah là là, c'est pas évident. Attendez, il y a quelque chose là-haut. J'ai pas souvenir l'avoir fait. Oh, les malins. Bien, wesh. Bien, wesh, bien, wesh.
fallait le voir. Ah, il y avait ce pont aussi. Terrible. Ok, bon. Alors, ça n'a pas été évident de ce que je pense voir, mais c'est faisable. Rien n'est impossible. On a aussi de belles choses là-haut. Oh là là, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Alors, on va commencer par prendre une larme. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par ici. On va tenter peut-être là-haut, non, je sais pas. À gauche, à droite. À droite, je crois qu'il y avait... de mémoire, pas mal de petites choses. Ça marche pas, putain. Ça marche pas. Je fais de bien mauvaises choses. C'est pas ça qu'il faut. Sur un malentendu. C'était où qu'il fallait aller? Je suppose qu'il faut arrêter l'irrigation, n'est-ce pas, de ces trucs de sang, là, non? Le sang de tes morts. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'aller voir là-haut. C'est vrai qu'on n'a pas été voir le chemin principal. Et je vois pas à quoi servirait l'alarme, en fait, pour l'instant, tu vois. Hop, là, regardez, on a une petite roue des familles. Ok... Ok, c'était aussi con que ça? C'était vraiment aussi con que ça? Très bien. Bon, bah, fallait commencer peut-être par ici, effectivement. Attendez, on va aller checker là-haut. Sur un malentendu, on peut y trouver de belles choses. Et c'est déjà trouvé, ça, c'est bon. Allez. Oh, une petite tête de chat, très bon, ça. Très très bon ça. Oh, y a de belles choses aussi là. Hein. Très belles choses. Ok. Bon. Oh non. Dites-moi pas qu'il faut refaire toute l'animation sur Wii Génération. Ok, c'était terrible. On va plus refaire ça. Qu'est-ce qu'on a là? Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. Ok. Très très bien. Là on a rien là. Et là, on n'a pas assez de rot, non, les gars? Vous êtes pas assez solides? Et là, qu'est-ce qu'on a encore? C'est terrible, là. Oh, il y a trop de pierres un peu bizarres. D'accord. Ok, je sens que ça va être la merde. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together, we found a way to capture the energy of the mountain shrine.
she believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering. Votre bombe devrait s'avérer utile pour alimenter toutes les technologies anciennes dans le coin. Nous devons réparer les mécanismes d'alimentation pour ouvrir le passage. Jetez un œil là-haut et voyez si vous pouvez remettre les choses en marche. Alors, bam. Ok, donc c'est des sortes de bombes d'énergie spirituelle. Très très bien. Et ben écoutez, on va... Et directement... Oh, attendez. Comment je peux monter là-haut, là ? Petit coquelicot. Quelle est cette chose très très sombre, là ? Quelque chose me dit qu'il faut pas spécialement monter là-haut en vrai. Hein. C'est peut-être pas le meilleur move à faire dès le début. Mais plutôt faire ça, non? Ok. Très bien, ça. Très bien, ça. Ok. Ça les stagne dans le temps. C'est très très bon. Ça en prend, évidemment. Ça en prend. Évidemment. Ok, ça va nous ouvrir le champ des possibles. Ok, on prend ça. J'arrive à activer des trucs de l'autre côté. Ça m'emmène où ? C'est en enfer. Oh oui, c'est l'enfer, ça je reconnais. Allez, boss! Ça, on va essayer sur un ennemi. Oh non! Oh non, je suis un connard, j'ai compris. D'accord. Ok. Très bien. Mort. Ok. Mort. Attends. Ah, je peux accélérer. Let's go. Oh la vache. Oh la vache. Je vais pas tenir avec ces conneries bien longtemps. C'est bon. Ok. Oh là là, c'est quoi? C'était quoi en fait ce que j'ai fait là? Je me suis fourvoyé, je crois, non? Ok, go. Go, 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 go. Ich prie. Allez, aucun souci, ça c'est fait. Ces ennemis vont être très très chiants, hein. Je pense que vous pouvez le... Vous pouvez me comprendre, ça risque d'être assez terrible. Merde, pardon. Pardon, pardon, pardon. Voilà, ça c'est dans ma gueule, c'est mérité, hein. Allez, un petit rot.
Ça c'est bon. Ça c'est bon, on va même pouvoir s'améliorer après. Très très bien. Bonne chose de faite. Oh, niveau 4, 65 rotes. Ils abusent, wesh. C'est trop, les gars. Pas que ça fout que trouver des rotes partout, là. Ok. On prend ça vite fait. Attends, je comprends pas, là. Comment je serais sorti si jamais... Ah bah oui. Tout simplement en faisant la même chose que pour venir ici. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on peut continuer. À nous la suite des aventures. Attendez. Ah, c'est la merde. Ok, c'est la merde. Mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Oh, c'est vraiment scié par contre. Très bien ça. Très très bien ça. Ok. Hop, j'envoie toi, hein. Rien à péter. Hein. Très très bien ça. Quoi? C'est rien. Pas de panique. Oh putain. Oh, les salauds. Ok. Ouais. Ok. Bon, ça veut dire qu'un seul côté est fait. Et ça, c'est fort inquiétant. Mais bon, on prend quand même... Ouais, ça c'est beau. On va aller checker là-haut. Peut-être une récompense, un rod, je ne sais pas. Que dalle. Que dalle, c'est du caca dans la bouche, ça, directement. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Ok. Très bien. Let's go. Un rot. Allez, encore un nouveau rot. On est à 37, c'est incroyable. C'est incroyable, on se régale. Plaisir. Nickel. Sacré plaisir. Ouais, si je fais... Si je fais ça, là. D'accord. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dessous. Mais alors, attendez, parce que je suis pas... Je ne pense pas avoir tout fouillé. Oh, les mécanismes sont très 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 stylés. Par contre, GG à eux. Ils nous ont régalé, d'accord. Moi je voulais juste aller de l'autre côté, parce que quelque chose me dit que ça n'a pas été fait correctement. Allez, ça on n'avait pas fouillé. Et ben voilà, c'était juste un petit coffre. Mais bon, hey, il faut prendre, hein. Nickel. Ça aurait été beau si je le faisais en l'air.
Allez, c'est bon, on peut redescendre. Bon bah écoutez, on a fait la moitié de cette grotte, la moitié de ce... On va appeler ça limite un donjon, parce que ça ressemble très fortement à un donjon quand même. On va pas tarder à s'arrêter là. Néanmoins, est-ce que, vraie question, on peut faire de belles améliorations, sachant qu'on a 470. Maintenez L2 et R1 et appuyez sur carré pour former une bombe imprégnée de rot. Oh, ça a l'air incroyable ça. R2 et carré pour créer un marteau, pour frapper de loin. Et ça coûte combien ça? 300. Et ça, qu'est-ce que c'est? Débloquer la capacité de créer deux bombes à la fois. Les dégâts de la bombe augmentent si Kenna lance celle-ci avant qu'elle explose. Ok. Alors ça me paraît bien cheaté aussi, hein. C'est ça le problème, hein. C'est que... Voilà. On a déverrouillé quasi toute la possibilité de faire des rots. Pareil, déjà pas mal. Là. Rien, c'est juste une petite lumière des familles. Là, on a des méchants pas beaux. Ok. Bam! Très bien. Peut-être fait le boss un peu plus tôt que convenu, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, récupère-moi ça. On va aller checker là-haut quand même, hein, sur un malentendu. On peut ne rien trouver. Ah si. Si, on a chopé des bails. Allez, mangez les potes. Mangez parce que ça fait du pognon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut, Sugoi ? Un message. Let's go, courrier des esprits ramassé, ça me plaît. J'aime les esprits, j'aime ramasser du courrier. Qu'est-ce qu'on a là ? Vous croyez que c'est ouvrable? Elle est là, l'artisane du bois? La vraie sœur? Ok. Très très bien. Alors là, je suis très concentré. Bah nickel. Alors, attendez. Allez, ça c'est fait, ça devrait faire l'affaire. Descendez pour qu'on puisse ouvrir cette porte. Évidemment qu'on va pas l'ouvrir, on se garde ça pour le prochain épisode, n'abusons pas. Mais... je vais pouvoir aller fouiller, par contre, le tout début de la grotte, parce que souvenez-vous, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'était exactement... Bougez pas par ici. Voilà. Ça sort de question que je laisse passer, mon petit pote. On va s'arrêter sur une note extrêmement positive. Hein. Ok, c'était déjà au bon endroit. Ça pour cela, mais c'est pas mal, je prends. Et quoi d'autre? Bah rien d'autre. C'est terminé, fin du rêve, retour à la réalité. Allez, juste ça peut-être. On fait la grotte à 100%, enfin on pense la faire à 100%. What? Qu'est-ce que c'est que ça les refs? Ah, y a un problème sur les escaliers là. Hein. Ah non, mais ça j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, c'est pas intéressant. On va pouvoir ouvrir la porte! Mais on fera ça lors du prochain épisode. Évidemment, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous savez quoi, on se fait un petit plaisir parce qu'on ne vit qu'une fois, c'est parti. Et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.